monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Shein. Je suis trop contente de vous présenter les nouveautés summer de chez Shein. Franchement, j'ai trop craqué sur des robes, sur des jupes surtout. Je suis trop contente parce que les jupes Shein, elles sont vraiment belles, elles sont originales et vraiment pas chères. Toutes les jupes que je porte viennent de chez Shein. Donc bah écoutez, c'est parti. J'ai toujours mon code promo pour vous que je vous afficherai juste là. N'hésitez pas à les regarder aussi en barre d'informations. Je vous mettrai aussi tous les liens. Donc bah écoutez, c'est parti pour ce petit haul. Alors écoutez, on va commencer par les jupes. J'ai pris cette jupe avec des petites cerises. Elle est vraiment trop choupinette. Elle est trop mignonne, toute blanche. Elle n'est pas du tout transparente. Il y a une petite doublure à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment pratique. Elle est trop mignonne. La coupe est vraiment bien. J'ai tout pris en taille S. Donc voilà, moi je prends toujours une taille en dessous pour les jupes de chez Shein parce que je trouve elle est un peu grande. Donc voilà, écoutez, pour cette petite jupe. Ensuite, j'ai pris cette jupe-là, très colorée, très fleurie. J'adore ce genre de motif. Vraiment, la qualité est au top. Il y a aussi une doublure, donc ça, c'est vraiment pratique. C'est pas à la foufoune non plus. C'est vraiment une très bonne longueur. Les couleurs sont vraiment hyper pimpantes, là, comme ça. Donc, ouais, franchement, cette jupe-là, elle est trop chou. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas prendre du vert, parce que ça fait très longtemps que j'en voulais. J'ai pris celle-ci, donc c'est avec des petits carreaux comme ceci, avec des fleurs et tout. Elle est vraiment trop mignonne. Il y a aussi une doublure. Franchement, à chaque fois, elles sont doublées. C'est vraiment pratique, c'est vraiment bien. C'est d'une bonne qualité, c'est assez fluide et tout. On est vraiment hyper à l'aise à l'intérieur. Du coup, je suis trop contente. Elle est vraiment trop choupie. Il y a toujours en plus une petite fente, vous savez, là sur le devant. Vraiment, moi j'adore. Ensuite, une autre jupe. Alors, je sais plus laquelle de jupe a un haut qui se vend avec. Peut-être celle-là. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, il y a un haut qui se vend avec une jupe. La quatrième jupe se présente comme ceci. Elle a un effet un petit peu satin. C'est hyper agréable au toucher. Il n'y a pas de doublure, mais je crois pas qu'elle soit transparente. Donc, vraiment trop joli les motifs. Hein, hyper coloré, hyper estival. Franchement, moi j'aime trop. Ensuite, une autre jupe. Cette fois-ci, la qualité est différente des autres. C'est un peu style coton. Et par contre, celle-là, prenez la taille au-dessus parce que. Elle est un petit peu serrée et un petit peu courte. Donc moi j'aurais dû prendre la taille M pour celle-là. Vraiment sinon hyper agréable et tout. Enfin bon, moi j'aime trop. En plus elle ne bouge pas. Les autres elles bougent un petit peu parce que j'ai les tailles hyper fines. Mais celle-ci ne bouge pas vu qu'il y a un élastique. Donc ça c'est vraiment plutôt pratique. Ensuite, donc dans une des jupes il y avait un haut qui allait avec. Donc c'est le haut blanc. Il est super bien, il n'est pas du tout transparent. Donc ça c'est vraiment cool. Il a un dos nu et tout. Franchement c'est plutôt pas mal comme petit haut blanc. J'en voulais en plus parce que j'en manque cruellement. Donc voilà, j'ai pris un petit haut blanc. Le deuxième haut blanc est hyper transparent. Je ne vous le conseille absolument pas, mais j'adore la forme. Il se présente comme ceci, je crois. Voilà. Moi, j'adore ce genre de forme. Je trouve ça assez joli. Malheureusement, il est transparent. Peut-être dans d'autres couleurs, il serait un petit peu mieux. Mais voilà, sinon, c'est trop transparent. Ensuite, je me suis pris un ensemble tailleur bleu. Il est d'une qualité, mais... incroyable, j'ai pris en taille S, il est pas trop grand, il est vraiment d'une très bonne qualité. On dirait un petit peu du sine qua non, pour vous dire. Donc très bonne qualité, je suis assez surprise. Les finitions sont parfaites, le pantalon est vraiment très bien. Ça tombe super bien aussi à la fin. Enfin vraiment, je n'ai rien à dire concernant la qualité. C'est vraiment, vraiment très bien. Et donc la veste bleu marine, j'adore. Elle est vraiment... les épaulettes sont bien. Il n'y a pas de trucs comme... des trucs en mousse là que j'aime pas. Il n'y a pas ça. Ça tombe bien. C'est vraiment hyper classe, hyper pro. Donc ça j'aime beaucoup. Et j'avais pas de tailleur bleu. J'ai un tailleur bleu ciel. Maintenant bleu marine et noir. Et le blanc est trop grand. Donc vraiment, je suis trop contente. On va faire maintenant les robes. Alors j'ai trouvé cette robe-là, elle est sublime. Mais vraiment incroyable. Elle est comme ceci. Le vert est magnifique, je trouve. J'adore la forme, ça change un petit peu. Très près du corps, etc. Le dos est comme ceci. Et franchement, elle est super belle. Ça, c'est un peu style Bershka, etc. Ça, à Bershka, ça se vend dans les 30 balles, hein, sans vous mentir. C'est vraiment le même style que Bershka. Elle est vraiment pépite. Ensuite, je me suis pris cette robe-là que je vois partout dans mes recommandations sur Shein et tout. Et j'ai vraiment craqué sur elle. Elle est vraiment trop jolie. Donc, c'est une robe... comme ceci avec des petits volants, j'aime trop les volants. Et cet effet comme ça, accordéon, qui est super bien pour la taille, parce que nous, avec les... Enfin moi en tout cas j'ai une taille fine et du coup ça tient super bien. Et le devant est comme ceci.
Donc voilà, ça tient super bien. Enfin, ça, je trouve que ça fait super joli. C'est d'une très très bonne qualité. Moi, j'adore. Elle est vraiment très espagnole vibes, tu vois. Ensuite, une autre robe que je voyais aussi dans mes recommandations, c'est cette robe-là. Elle est trop belle. La couleur est magnifique. Vraiment style frou-frou et tout. Elle est trop jolie avec des petites manches comme ceci. Trop mims, j'aime trop. Donc ça, vraiment, c'est une de mes préférées. Ça change et tout. Enfin, franchement, c'est d'une très bonne qualité, encore une fois. Et elle taille très, très bien. Donc ça, je peux vous la recommander aussi. Elle est vraiment pépite. Une autre robe, je l'ai déjà en longue. Et en fait, quand je l'ai vu qu'elle était en courte, je me suis dit, mais maman, je la veux, en fait. Donc c'est une robe comme ceci. J'adore le motif. Avec une petite ouverture sur le côté, elle taille super bien, elle est très jolie, ça fait très estival, avec des petits talons, des petites sandales, vous savez, elle est vraiment trop mignonne, donc, et pas transparente aussi, donc ça c'est vraiment cool, parce que ce genre de tissu c'est assez fin, donc ça, incroyable. Ensuite je l'ai vu aussi dans mes recommandations, c'est une robe, c'est pas trop mon style de base, hein, mais ça c'est une robe avec ce décolleté comme ça là. Ça c'est pratique peut-être pour aller à la plage ou autre. Je la porterai pas comme ça je pense parce que ça fait très plage, pas très ville en fait je trouve. Mais elle est trop mignonne, franchement ça change et tout, les couleurs. Peut-être j'aurais dû la prendre en taille au-dessus pour qu'elle soit un petit peu moins serrée. Mais sinon elle est trop mignonne. En parlant de plage, je me suis pris un maillot de bain en taille S. Je crois que la culotte elle est trop petite. Parce que moi je fais du M en culotte, mais comme on peut pas acheter séparément, c'est un peu compliqué. Du coup la culotte est comme ceci. La matière, je sais pas si vous allez voir, elle est comme ça. Donc plutôt pas mal au niveau de la matière. Et en fait j'ai beaucoup aimé le soutif. Je le trouvais assez... Attendez, il y a trop de fil. Je le trouvais assez mignon. Comme ceci, avec les petites armatures, ça change, je trouve, et je voulais trop tester ça pour les petites poitrines, je me suis dit, vas-y, on teste, et finalement, bah, j'aime bien. Ensuite, pour les robes, j'ai pas fini, j'ai pris cette robe-là, donc un peu le même délire que l'autre, là, tout à l'heure, ça s'attache comme ça, voilà, et le motif est comme ceci, je trouve que c'est assez joli, ça change et tout, enfin, celle-ci, elle est vachement bien, elle est très, très légère, et elle colle pas trop au corps, je crois, dans mes souvenirs, donc celle-ci, franchement, je peux vous la conseiller, en plus, la matière est hyper agréable. Et la dernière robe, c'est celle-là, je l'aime trop. Voilà, j'aime trop cette robe-là, très colorée, très mignonne, on peut la... il y a une petite ceinture et tout, donc ça, c'est vachement bien, elle est vraiment... ouais, vraiment trop choupi, j'ai rien à dire là-dessus. La qualité est bien, il y a des petits froufrous et tout, enfin moi j'aime trop, c'est vraiment ce genre de robe que je kiffe, où c'est vraiment marqué à la taille, après ça part en froufrou, je kiffe trop. Ensuite pour le haut, j'ai pris un petit haut comme ceci, je trouve ça trop mignon, et c'est super bien parce que ça s'ajuste vraiment bien au niveau des petites poitrines, ça baille pas, donc je l'ai pris en taille S, hein, celle-ci, donc franchement n'hésitez pas, ils font plein de couleurs pour ce genre de haut, et c'est vraiment bien, on est hyper à l'aise, on est bien, c'est fait tricoter, on voit pas le téton, donc ça je peux vous le recommander aussi. Ensuite j'ai pris un jean, je crois qu'il est un peu trop large au niveau de la taille, bon ça c'est habituel, hein, vraiment j'ai l'habitude, c'est un petit peu chiant quoi, mais il est comme ceci, la couleur est vraiment très bien, il y a des effets un petit peu déchirés comme ça sur le pantalon, je le trouve vraiment trop mignon, d'une bonne qualité, mais dommage qu'il soit trop grand au niveau de la taille. J'ai pris du combien? J'ai pris du S pourtant. Mais si j'avais pris du XS, ça aurait été beaucoup trop petit au niveau des jambes. Donc écoutez, je pense que je referai un point derrière pour que ça s'ajuste au mieux, parce que sinon c'est un peu chiant. Ensuite, pour la maison, je me suis pris des draps. J'adore les draps de chez Shein, je les trouve vraiment d'une excellente qualité. Mieux que chez Ikea, donc voilà, j'ai pris ça avec des petites feuilles, voilà, ça change. Et voilà, moi j'aime beaucoup les draps de chez Shein, ils sont bien, ils tiennent bien dans le temps, ils s'abîment pas, je vous les conseille vivement. Ensuite, pour mon voyage avec ma soeur, je me suis pris une sacoche, je voulais vraiment une sacoche pratique, donc j'ai pris celle-ci, elle est vraiment lambda, pratique, il y a des petites poches un peu partout, et pour moi c'était hyper important d'en avoir pour mettre les sous, le gel antibactérien, les papiers d'identité derrière, enfin voilà. Ça va m'être, je pense, très utile en tout cas. Et pour la dernière chose, je suis trop contente d'avoir reçu ça, j'ai reçu un miroir comme ceci en effet nuage, ils le font en fleurs je crois. Et moi j'ai trop kiffé, alors il est assez petit, hein, c'est pas pour se regarder dedans, hein, voilà, mais c'est juste pour de la décoration pour le bureau. Parce que voilà, je vais refaire le bureau comme vous le savez, donc...
ça. Je suis trop contente d'avoir reçu ça. Il est trop trop beau. Donc bah écoutez, voilà pour ce petit haul. Je vous mettrai donc tous les liens en barre d'informations. Le prochain haul Shein, ça sera du back to school. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ma petite sélection, papeterie, etc. Parce que moi j'adore la papeterie de chez Shein. Je trouve ça trop trop beau, les stylos, les trousses, les planeurs. Enfin voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À vous abonner à mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. À vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!